Bonjour, on va traiter un exercice d'un nombre complexe. L'exercice est le suivant. Choisissez des exprimes de nombre complexe. Montrez qu'on a la relation. Le module du z plus z prime au carré plus module du z moins z prime au carré est égal à deux fois module du z carré plus module du z de z prime au carré. Et enfin, on va donner une interprétation géométrique de ce résultat. On va commencer par la première question. Quel que soit z appartenant à C, à l'ensemble des nombres complexes, on a module du z. Pardon, est égal à la racine de zz bar. Et elle est la racine carrée d'un nombre z multiplié par son conjugué. Donc, module de z plus z bar au carré est égal plus, pardon, plus module du z moins z bar au carré est égal à la racine de z plus z prime multiplié par le conjugué de z z prime. Donc est égal à la racine carrée du module du z à la racine carrée du module de à la racine carrée pardon de z plus z prime facteur de module du z multiplié par le module du z plus z prime plus la racine de z moins z prime, facteur de z moins z prime, le module de ce nombre, pardon, au carré. Donc il est égal à z plus z prime, facteur, le module du z, dans la somme, c'est la somme des modules, plus z moins z prime, facteur de z, le module de z multiplié par moins z prime. Donc, on va développer cette expression. Il est égal, module de z multiplié par module de z de z, plus module de z multiplié par z multiplié par module de z prime, plus z prime multiplié par module de z, plus module de z prime multiplié par module de z prime, plus z multiplié par, pardon, le conjugué, pardon, je m'excuse. Ici nous avons le module, z multiplié par le conjugué de z, plus z multiplié par le conjugué de z prime, plus z prime multiplié par le conjugué de z, plus z prime multiplié par le conjugué de z prime plus z multiplié par le conjugué de z plus z multiplié par le conjugué, pardon, de z prime moins z prime multiplié par le conjugué de z, enfin plus z prime multiplié par le conjugué de z prime. Bon, il y a des simplifications. Bon, z prime, ok, moins z prime, pardon,
moins z, z, z prime. Le conjugué de z, z prime. Donc, il y a des simplifications. On a z multiplié par le conjugué de z prime, moins z multiplié par le conjugué de z prime est égal à 0. Puis, module de z, pardon, z prime multiplié par le conjugué de z, moins z prime multiplié par le conjugué de z est égal à 0. Donc, il me reste z, z bar, plus z, z bar, plus z prime, z le conjugué de z, plus z prime le conjugué de z. Donc, est égal à deux fois z, z bar, plus z, z prime, qui est égal à deux fois z, z bar, si le module du z au carré, plus z prime, multiplié par z prime, le conjugué de z prime, c'est z prime au carré. Donc, on a z plus z prime, le module au carré, plus module du z moins z prime au carré, est égal à deux fois module du z au carré, plus module du z prime au carré. Voilà. Donc, on va donner une interprétation, géométrique à ce résultat. Soit M le point d'affixe Z et M prime le point d'affixe Z prime et M1 le point d'affixe moins Z prime et UP le point d'affixe Z plus Z prime et PA, le point d'affixe Z plus moins Z prime. Donc, on va faire une figure dans le plan complexe d'origine O. On a, on suppose qu'on a M d'affixe Z ici, M prime d'affixe Z prime, donc Z prime plus Z, Z plus Z prime, si l'affixe du point P tel que P, et P est tel que O, M prime P, M est un parallélogramme. Donc, le point P ici, d'affixe, Z plus Z prime. Voilà. M1 est égal à moins Z prime, donc c'est une symétrie de M prime par la symétrie axiale d'axe, la symétrie axiale, pardon, de centre O. M1 d'affixe moins Z prime. Donc, OM, on va noter OP si OM plus OM1. Donc, on a aussi, pardon, donc le point P1 d'affixe Z plus moins Z prime, c'est-à-dire Z moins Z prime. Donc,
on a z plus z prime au carré est égal à op au carré. Et z moins z prime, le module est égal à z plus moins le module de moins z prime au carré qui est égal à op1 au carré. Le point P1 est-il que, bon, au P1, l'affixe de P1, c'est Z moins Z prime, donc la nature de parallélogramme, la nature de quadrilatère O, M, P1, M, M1 est un parallélogramme. Pardon. Ici. Donc, z plus z prime au carré plus z moins z prime au carré est égal à op2, pardon, est égal, au carré, est égal à op au carré plus op1 au carré. Donc, on va montrer que cette somme est égale à OM plus OM prime. C'est deux fois. Donc, deux fois Z au carré plus Z prime au carré est égal à deux fois OM au carré plus OM, OM prime au carré. On va montrer, montrant que OP au carré plus OP1 au carré est égal à deux fois OM au carré plus OM prime au carré. C'est-à-dire qu'on a l'égalité pour les affixes, on va montrer qu'on a l'égalité pour l'égalité pour, pardon, pour les modules, donc on va montrer qu'on a l'égalité pour les distances. Dans le triangle, OMP, on a OP au carré est égal à MO au carré plus OP au carré moins deux fois cosinus. On va noter cet angle alpha est égal à deux fois cosinus alpha multiplié par OM multiplié par MP. Donc, et comme OM prime PM est un parallélogramme, alors les deux côtés opposés sont égaux, donc on aura MP si OM prime, on a MP est égal à OM prime, donc l'égalité OP au carré est égal à MO au carré plus OP au carré, pardon, plus MP au carré, pardon,
plus mp au carré, donc on va remplacer mp au carré par m' au carré plus ou moins, pardon, 2 fois cosinus alpha multiplié par om multiplié par om'. Voilà. Et comme O et comme O est le milieu de segment M M prime, pardon, M prime M1, alors on aura M et le milieu du segment, pardon, on aura M et le milieu du segment PPA. Donc on aura M et le milieu du segment PPA. Il suffit de considérer la projection sur P' parallèlement à M'P. Considérant la projection sur P1 parallèlement à M'P. Comme O est le milieu du segment M', alors on aura la projection de O sur P' parallèlement à M', c'est M. Donc, comme et la projection de M de M1 sur PP1, c'est parallèlement à M', c'est M1PA. Donc, comme la projection concerne les milieux du segment, on aura M', on aura M du milieu de on aura M le milieu de P'. Donc, la distance MP1 est égale à la distance MP. Maintenant, on va considérant le triangle OMP1, on a d'après le théorème, pardon, d'Al-Kashi, d'Al-Kashi, on aura le théorème d'Al-Kashi, pardon, d'après le théorème d'Al-Kashi, on a OP1 au carré est égal. Donc on va noter cet angle bêta. Donc on aura OP1 au carré est égal à MO au carré plus MP1 au carré moins 2 fois cosinus bêta MO plus MP1 au carré. Donc, il est égal, pardon,
On va remplacer MP1 par MP. La distance MP sur M. La distance MP sur M prime. Donc on aura. Pardon. OP1 au carré est égal à MO au carré plus M prime O au carré, car MP1 est égal à MP et MP est égal à OM prime au carré moins 2 fois cosinus. Bon, ici nous avons alpha plus bêta est égal à P, donc bêta est égal à P moins alpha. Donc, MO plus, multiplié par, pardon, MO prime. Donc, d'après cette relation, et cette relation, on va noter. Cette relation 1, et celle-ci 2, donc on aura, d'après 1 et 2, on a OP1 plus OP2, pardon, OP1 au carré plus OP au carré est égal à MO au carré plus MO, M'O au carré moins 2 fois, s'il vous plaît. Cosinus pi moins alpha, si, moins cosinus alpha, avec ce moins, donc on aura plus cosinus alpha. MO multiplié par M'O plus donc OP si MO plus M'O moins 2 fois cosinus alpha MO M'O. Donc on aura des simplifications. Donc 2 cosinus alpha MO multiplié par M'O. Et l'opposé de moins de cosinus alpha et moins et vous prime, donc leur somme est égal à 0. Donc, OP1 au carré plus, pardon, OP plus OP au carré est égal à MO. Pardon, plus M'O au carré plus MO. Ici au carré, pardon, j'ai oublié. MO au carré plus M'O au carré. Donc il est égal à 2 fois MO au carré plus 2 fois M'O au carré. Donc il est égal à 2 facteurs de MO au carré plus M'O carré. Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, OP1 au carré plus EP au carré est égal à 2 fois MO au carré plus M' au carré. Donc, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine.